Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog de la nouvelle tournée de Kinvé. Le but de cette vidéo est de vous partager la vie en concert, dans la tournée, dans différents postes, vous montrer les coulisses de ce milieu qui peut être un peu particulier et voilà, vous faire un peu découvrir tout ça pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui connaissent, bah, vous montrer le quotidien des autres équipes. Ça peut être toujours intéressant. Voilà, c'est tout nouveau, c'est une idée qui m'est venue, c'est pas une idée originale, hein, c'est piqué de plusieurs personnes, notamment d'un régisseur américain que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas faire aussi ça et de vous faire, voilà, de vous montrer ça en version française. Vous me direz ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer, si toute remarque est importante. Donc nous sommes sur Paris, première journée de répétition. Comme vous pouvez le voir, le matos n'est absolument pas monté. Tout ça va être fait en temps et en heure. Voilà, nous sommes donc 2 jours en répétition sur Paris. Et demain soir, nous partons pour notre résidence de pré-prod à Mondorf-les-Bains, où aura lieu la première date de cette tournée qui, j'espère, s'annonce excellente et j'espère que vous serez nombreux à venir. Donc voilà, là, nous commençons donc cette première semaine avec Mondorf-les-Bains, Reims et Toul. Ça va être plutôt cool. Nous avons déjà fait un concert au Zénith de Rouen qui était absolument magique, où tout le monde était présent et c'était vraiment top, donc hâte de voir ce que va donner cette tournée. Reprendre contact avec les copains et puis voir un peu comment ça se passe. Mais tout d'abord, objectif, café. C'est une moquette toute neuve. Préparer le nouveau rack de Damien, le batteur. On part sur un rack de batterie parce qu'il a tellement de cymbales le petit qu'il y a besoin. Donc voilà, je vous montre un peu. Alors ça, c'est en cours de préparation. Je vous ferai un point détaillé après. Vous voyez comme à côté, ça se fait tranquillement. Voilà, avec ces magnifiques bruits de ventilo. Ça va être génial. Bon voilà, je reviens vers vous dès que c'est bon. Salut à tous, deuxième jour de répétition. Je suis désolé, j'ai pas pu faire plus de captures que ce que je voulais hier. On a eu une journée de malade, premier jour de répétition. Et ça a été un peu l'enfer. J'ai eu énormément de pannes, de bugs, de plein de choses. Retour de matos, etc. Bon bref, ça a été un peu un calvaire. Donc je vais essayer aujourd'hui, si je peux, de vous faire un peu plus partager la journée. Mais autrement, ça avance bien. Les gars, ont pas perdu malgré les quelques mois depuis la dernière date. Donc c'est cool, hâte de voir ce que ça va redonner avec tout ça. Il y aura une petite surprise dans cette nouvelle tournée, donc voilà, j'en dirai pas plus. Une journée aussi compliquée qui s'annonce, donc surtout. Voilà, dernier jour de répète à Paris. Ce soir, on range le matos, direction le bus, et après, Mondorf-les-Bains pour une journée de pré-prod en version show. Et le concert, enfin, la première date de cette tournée. Hâte d'y être et de vous montrer tout ça. Voilà, deuxième jour de répète fini. On est en train de démonter, enfin on a pratiquement fini d'ailleurs, là il me reste plus grand chose. Il me reste ça, voilà, à me demander comment je vais ranger tout ça, pour que ça soit un gain de temps le plus rapide pour demain. On finit de ranger tout ça, et on va mettre tout le matériel dans la remorque qui est attachée au bus. Et donc voilà, et puis après, direction le Luxembourg, donc Mondorf-les-Bains pour cette première date de tournée. Enfin, première date de tournée, on a encore une journée de résidence demain, donc répétition avec les lumières, les danseurs, en fait la totale, comme pour le concert. Et puis voilà, on sera prêt. Voilà, ça a été un peu long aussi aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de répétitions. Les gars, ils ont assuré de fou. Kevin aussi. Je voulais pas beaucoup montrer parce que voilà, on est vraiment beaucoup, beaucoup occupé. Donc fini de démonter, on range et puis on va aller manger. Voilà, tout fini. On attend pour ranger. Voilà un peu à quoi ressemble notre kit. Pour partir. Bon, c'est un peu en vrac, mais globalement, c'est que ça pour l'instant.
Donc voilà, et puis là, il y a notre super bus avec notre super chauffeur qui est en train de manœuvrer pour qu'on puisse charger. Va être cool. Ah là, il y a un moment qu'on a, on arrive à prendre le virage, hein. Ouais. C'est la mort, je te dis. Ouais, et après je pourrais reculer. Voilà, il a trop baissé. Bon, échange. Échange. Non, attends, moi j'ai... Attends, mais pas assez, faut qu'on soit tous là, sinon ça va pas le faire. Attends, faut les vitesses, les gars. J'arrive. Ouais, il va falloir retourner un peu. Là, c'est bon. Comme papa dans maman. Papa, juste faire gaffe à la rouge au cœur, descendre un gros point, les gars. Attention. On peut même faire ça. Ouais, il peut même rester là. Et sur lui, c'est vrai. A few moments later. On va voir l'apéro. Bon. Bah, c'est rentré. Un fly prêt. Du coup, bah, j'ai dû me désister. Il y a ça. Et voilà à quoi ressemble un bus de tournée avec les sièges où on est tous réunis pour discuter, boire un coup, manger quand il faut, avec de quoi faire la vaisselle, petit frigo juste ici. On est bien là. Ah. On est bien. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les couchettes. Ah. Ça fait un peu fourmilière. On est tous comme ça, chacun sa couchette en haut, en bas seulement. Hop. Voilà la mienne. Ok. Là comme ça. Alors, il y a une règle. Il y a plusieurs règles dans un tourbus. La première, c'est original, mais ça a quand même son utilité. Il est interdit de faire caca dans les toilettes du bus. C'est primordial. C'est vraiment la règle numéro une. Et la deuxième règle, c'est toujours dormir les pieds en direction de la route. On sait jamais, en cas de fort freinage, vaut mieux que ce soit les pieds qui compensent que la tête. Petit update. On devait partir il y a à peu près une demi-heure. Et bah il nous est arrivé une petite colle, c'est que là, la remorque donc du bus, tout simplement ne fonctionnait plus. En fait, les feux là ne fonctionnaient plus et par conséquent on ne pouvait pas partir parce que du coup sans feu, bah c'est hyper dangereux. Tout simplement, ça c'est un peu logique, comme si vous rouliez dans la nuit. Bah, sans éclairage en voiture, c'est extrêmement dangereux. Donc du coup, grosse panique, avec obligation de faire revenir une nouvelle remorque, pour voir si ça partait. Donc ça voulait dire redécharger toute la remorque, puis recharger dans la nouvelle. Mais fort heureusement, on a un super lighteux qui a réfléchi pour nous et qui s'est dit tiens, il y a peut-être un problème avec l'adaptateur entre le bus et la remorque et qui a trouvé la solution. Et donc c'est pas parfait, mais on peut partir comme ça. Donc voilà, normalement, j'ai bien dit normalement, on devrait partir. Non, c'est pas ça. Je jure, j'irai à Tahiti. Putain, ce qui est con, c'est que si un jour on va à Tahiti, on n'aura pas de tourbus, quoi. C'est chier. On va à Tahiti, les gars, alors. Vas-y. Joyeux anniversaire, Kevin. Joyeux anniversaire.
parti, il a dit. Bon, il est pratiquement 9h. Comme vous voyez ma tête, il passe une superbe nuit. Super coupe de cheveux. Voilà, on est arrivé à Mont-d'Orfles-les-Bains. Qui fait actuellement magnifique, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, aujourd'hui casino avec donc Kevin. Ça va être particulier cette journée car on va répéter tout chaud pour demain. Composition de lumière, etc. Donc ça va être quelque chose. Bon, objectif là, à part cette coiffure, petit déjeuner. Café. C'est beau, hein. Bonjour. Pour se doucher, il faut attendre début d'après. Non, il y a des douches là, ici. Ouais. Ouais. Ouais, je suis là, Valentin, je t'écoute. Ouais, comme tu disais, Arthur, en fait, comme tu nous avais dit. Bon bah du coup ce matin en attendant que les lumières se mettent en place, c'est toujours les lumières qui se mettent en place en premier. Il y a les grilles que vous avez pu voir et les grandes barres de fer qui tiennent en fait tout l'espace de lumière. Bah, c'est vrai qu'il s'installe en premier, donc ça prend un peu de temps, et pendant que, en fait, c'est pas monté, bah, nous, on peut pas monter, donc, bah, je vais en profiter pour m'occuper de cette guitare, changer les cordes, faire quelques réglages, et puis, et faire que tout va bien. Voilà. On va s'occuper de ça. Ah. Un batteur hyper perché. Un truc qui est génial en tournée, mais qui est aussi un peu qui peut être traître, vraiment. C'est que on peut avoir énormément de choses à manger et à boire, mais qui sont pas forcément très bons pour nous. Gardez tout ça. Et encore, il y a aussi plein de boissons. Tout ça à volonté. J'avoue que franchement, faut faire attention, on pourrait très vite prendre du poids. Hein. Ouais. Normalement, j'ai fini d'installer. Du coup, là, bah. Il ne reste plus qu'à faire le hand check. Je pense qu'on va pas tarder à le faire. Le hand check, ça consiste à voir et à vérifier que tous les instruments, que toutes les lignes de son arrivent bien au bon endroit et qu'on ait absolument tout, qu'il n'y ait pas de panne, qu'il n'y ait pas de buzz et que, en fait, que tout fonctionne vraiment correctement. Et puis voilà. Après ça, on va aller faire peut-être un peu de répète, manger et bah, un filage, c'est-à-dire tout le show d'une traite, avec éventuellement des petites pauses entre-temps pour recaler certaines choses. Mais sinon, voilà, ça va tracer. Donc ouais, c'est une belle journée aussi. Les copains, à la vôtre, hein. Santé tout le monde. Moi je me trinquais avec ce backliner. Ah pardon. Ah bah santé. Mieux sont faits à la vôtre.
Je te dirai à chaque fois qu'on... Il y aura des talks histoire de... Ouais, non, moi, ouais, justement, essaie de pas me dire, ça c'est... Ok. C'est juste qu'on va rappeler si tu me reprends. D'accord. Que si tu me dis tout toi. D'accord, pas de soucis. Ça permet de pas te prendre. Ça te laisse si je te laisse en fait. Oh, il y a pas de je vais remercier la machine. Tu l'as fini, troisième jour de répète, et Damien, le super batteur, là. Raison. Voilà. Le résultat. Je peux peut-être pas bien voir, mais voilà, là, c'est une petite fêlure. Voilà, ça peut arriver. Il a cassé la cymbale. Voilà, pas bon, pas grave. On va faire avec, on va faire une petite préparation pour tous les gars, pour tous les batteurs peut-être qui regardent. Ont peut-être déjà fait ça une fois dans leur vie, au moins pour rafistoler pour quelques temps, le temps qu'on la change. Voilà. Et voilà le résultat que ça donne. Voilà, un tout petit trou juste là qui va empêcher la... la fissure de continuer vers le centre et qui serait encore plus dramatique pour la cymbale. Bah bon, du coup, en fait, elle perd en efficacité quoi qu'il arrive, donc elle sera bonne à changer. Bonjour, on est mercredi, jour de concert, première date. Encore beaucoup de choses à faire. On va aller à la salle, finir de préparer des petites choses qui demandent encore à être finalisées. Après, normalement, on répète encore un tout petit peu. Pause déjeuner. On refait un dernier filage. Bon, si tout est ok, hier ça s'est extrêmement bien passé. Honnêtement, on a fait que quelques arrêts pour des retouches lumière ou des trucs comme ça. Donc vraiment, c'était vraiment bien. Donc aujourd'hui, on va faire la même chose, si possible là, sans arrêt. Comme pour le concert, et puis on va se poser au bus après, peut-être faire une sieste, vraiment se reposer tous pour vraiment garder l'énergie pour ce soir et pouvoir tout donner pour cette première. Il y a une bonne ambiance, l'équipe est vraiment top. On ne se connaissait pas forcément très bien tous, mais le début ça a plutôt bien matché, donc c'est cool, donc ça va être bien. Hâte de vous retrouver ce soir et je vous montrerai un peu plus en détail le show. Vous allez avoir sur le côté là, ici, sur le côté, et puis du style un truc comme ça, un truc. Ah ouais, ouais. Ouais, faut que tu l'écoutes. Ouais, super, nickel. Waouh, super, excellent. Yes, excellent, parfait. Et puis maintenant, je veux bien avec les micros. Ah oui, attends. Bouge pas, on va te jeter les micros dessus. J'arrive. Kenji, dans 2 minutes au plateau. Ah ouais, pour moi, spécialement pour moi. Mika, dans 4 minutes au plateau. 4 minutes au plateau ouais. Allez, ça va. Équipez-vous.
Et aujourd'hui, donc, do, do, mi, fa, fa, sol, do, do, mi, fa, mi, fa, mi, ré. T'es sûr? Tiens, t'es sûr, hein? Dièse. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais on va bien rire. La basse, il l'a pas mise. Parce que si. Oh, je non, ça fait beaucoup comme ouais, ça, c'est du bruit. Ça fait même pas du bruit, c'est chiant. On arrête. Ah oh, bah oui, clairement. Tu restes là tu... Non, tu peux venir avec. c'est par là. Je pense qu'on est sorti déjà passé par là. C'est ça. Ah bah, ouais, bah c'est par là. Ah oui, on est de l'autre côté. Moi, je vais passer. Est-ce que pendant le show, je peux refaire? Non, en vrai, je crois qu'ils sont encore. Je vais aller voir entière. Je vais pas des blagues. Attends, attends, chaton, hein. En fait, un truc que vous m'avez caché. Ouais. Eh non, mais c'est pour mon vlog. Ouais, en fait, c'est son truc de cette tournée. Non, mais je veux faire un vlog là, de cette tournée. Sur YouTube. Ouais. En fait, dans le groupe que je vous ai montré hier, avant-hier, là, de trucs allemands, etc. T'as Régis, t'as le tour manager, en fait, il fait des vlogs sur le truc pendant les sets de show. Je me dis, bah tiens, pourquoi pas essayer. C'est pas original, mais tiens, j'aimerais bien essayer. Du coup, tu vas nous filmer un peu, nous poser des questions et tout. Principalement peu, non. Ce soir, ce sera un jus de canard champignon. Gentil, hein. Oui, je sais. Mais on n'attend pas les Alpes sans. Et puis du chorizo petit-déj. Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe plus que la mousse de canard. Le chorizo, ça passe, la mousse de canard. C'est un peu plus exotique. Thank you.
filmer hein, si tu continues. Hein. Mais je veux filmer déjà. Poisson taboulé. Ah oui. Ouh, petite paella, ça c'est bon. Oh. Alors, pour info, voilà un batteur professionnel dans une tournée professionnelle. Et voilà comment il balance. Bien les claquettes. Bien. Original. Original. À faire demi-tour et qu'on part dans l'autre sens. Autant vous dire qu'on a un chauffeur qui assure de fou. Ah, il y avait un verre. Essayons de trouver le petit déjeuner. Bonjour. Vous cherchez quoi? Le Catherine. Le Catherine, attendez. Ah bah oui, pour des rétages. Je vous laissez monter tout seul. C'est pile en face de l'ascenseur. Vos collègues sont déjà là-haut. Merci beaucoup. Heureusement qu'il était là. Sinon, j'aurais jamais trouvé.
Bonjour. Bonjour, vous êtes Backliner. Un backliner, je ne vois pas. Je nettoie les vitres. Parce que... petit beige. Ah bah non. Ça a l'air de galère quand même ce truc. Ça va pas à poil, moi je suis pas mal sorti. L'uncheck a été fait. Petite pause. On va essayer de profiter pour commencer à monter ou à continuer le montage de la vidéo. Et puis on va attendre les balances qui devraient arriver d'ici une petite heure, je pense. Pour adulte, quoi. C'est un documentaire. Yann, c'est si vous pouvez. Sept dans le tourbus, ça s'appelle. Ouais. Hyper bon. Qu'est-ce que c'est? Ah ouais, mais oui. Pierre, mais. Bah, il faut un TikTok, je crois. C'est Damien? C'est un échec. C'est un deuxième échec. C'est un semi-échec. Merci, gars. Allez, chier, les gars.
t'arrives à le mettre en mettant ici. Ouais. Avec la voix du Jura. Abuse. Abuse. On va le la grosse console. La grosse dans l'autre. Sur le cœur. T'es un ami, ça part vraiment. Voilà. Okay, okay. Gardez bien tous votre bonne humeur. Allez, ouais. Merci.